L'Université internationale de Rabat et l'École supérieure des sciences économiques et commerciales de Paris ont fêté à Rabat les 25 lauréats de la première promotion du Master en Management des villes, des territoires et de l'immobilier, développé conjointement par les deux établissements. S'intéressant à la problématique de la gestion de la ville, à la gestion et l'aménagement des territoires et la gestion des infrastructures urbaines et de l'immobilier de façon générale. C'est une formation qui a été déployée sur à peu près 50 jours, mais répartie sur plus de 12 mois, avec un mémoire de fin d'études et un voyage d'études en France. Ce master propose un programme original de formation permettant à des cadres dirigeants de collectivités territoriales, d'entreprises publiques et privées d'appréhender les nouveaux enjeux liés au développement urbain et immobilier. On a voulu conjuguer les compétences de l'UIR, notamment cette connaissance fine du territoire du Maroc, et puis des compétences en matière d'urbanisation, en matière de développement durable, en matière de gestion de services urbains, qui existent à l'ESSEC depuis 30 ans, puisqu'il y a une chaire d'économie urbaine, il y a une chaire d'entrepreneuriat social. Donc toutes ces questions qui sont au cœur du développement urbain sont traitées à l'ESSEC depuis longtemps, et le partenariat prend tout son sens au service des territoires marocains, des villes marocaines. Comme vous le savez, la présence, la coopération entre la France et le Maroc, ou entre le Maroc et la France, pour ce qui est du développement du territoire et des villes, est ancienne. Le master cherche à créer un cadre permettant d'anticiper les nouveaux enjeux du développement urbain et savoir les intégrer dans les stratégies des organisations publiques et privées qui contribuent à l'aménagement et à la gestion des villes et des territoires.